Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la plupart des gens épisode 2 pas à la première journée avec moi. Fallout 4. Donc chers amis, ils vont tous fermer leur bouche hein, parce que c'est chiant. Cassez-vous. Oh la maman Murphy qui est encore en parler de drogue là-bas. Bon, on avait découvert un bâtiment donc la dernière fois ici, Macra Fish Packing. J'aimerais bien m'y rendre. On va aller le visiter. Bloquer activement quelqu'un qui vous attaque au corps à corps peut le faire reculer et annuler l'effet de l'attaque. Peu. Hein, on précisera peu. C'est pas encore ça. Ah bah il fait jour. Génial. Ça va être machin utile parce que je serai dans un bâtiment. Est-ce qu'il est ouvrable celui-là d'après vous? Je pense que oui, regardez, il est même ouvert, je dirais. Ah, oh, y a personne. Il y avait 4 réacteurs à faire. Quelque chose. Je ne connais pas toutes les coutumes de la surface. L'humanité a subi un triste déclin depuis les bombes. Oui, j'ai bien compris ce que tu dis là, mais enfin, j'avais remarqué, hein, ça s'appelle un monde post-apocalyptique, forcément ça va être très différent. Bon. Allons-y. Vous remarquerez que j'ai sorti le gros canon. Je pense plutôt que je vais prendre le pistolet à goût là, parce qu'il est quand même assez efficace. Il y a des cadavres. C'est pas normal. Calme ici. Vous ne trouvez pas? Nous devons trouver des hommes de science et des lieux d'éducation. Il doit certainement détecter. Le capteur détecte une présence ennemie. Synthétique. Présence synthétique alors. La sensibilité de mes capteurs doit clairement être réglée. J'ai cru voir une mine il y a 2 secondes. Et apparemment. Ammo box. Alors. Parfait. Ouais. Alors est-ce que je peux par exemple activer les tourelles? Non. Terminer si la surface est plus ou moins sujette aux épidémies. Mais il serait sage de se préparer. Bon, on va clairement avoir des emmerdes avec d'enregistrer de nouvelles données. Ce voyage est une expérience très enrichissante. Ouais. Nous savons qu'il y a des synthétiques, mais nous ne les voyons pas. Permettez-moi d'observer. Hop. Cassé. Hop. Parfait. Ça y est. Analyser un maximum de formes de vie indigènes. Je pouvais te taire, tu remarqueras dans que je suis un petit peu en mode scientifique, bien évidemment. En mode caché. Ce serait par conséquent très très cool de ta part si tu pouvais simplement te taire. Détruit. Ah non, c'est pas un... Je croyais que c'était un... Comment que ça s'appelle? Un synthétique. Vous avez vu comme moi, il y a un truc qui a couru. Non? Bon. Considérons que je me trompe alors. L'humanité a une telle volonté de vivre quoi qu'il arrive. Il est de notre devoir à tous d'œuvrer pour sa survie. Il y a un truc qui va pas là-dedans. C'est quoi ça? Des pierres peut-être? Oh putain, quel est con. Quel est con. Il y a quelque chose qui me repère. Je me demande ce qu'il s'est passé ailleurs. Est-ce la même situation que le Commonwealth? C'est des pierres. Est-ce meilleur ou pire?
Je vais finir par bourrer. Oh. Je viens de comprendre. Je me demande si les données que je rassemble serviront un jour à quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un bouton. Oh, on a une armure assistée. Salut les filles. Bah merde, je croyais qu'ils allaient être là. Merde, j'ai pris le pistolet, j'aurais pas dû. Canigou, t'es complètement con. Ah oui, par contre, il va falloir que je vous téléporte tous les deux. Je crois que c'est elle. Voilà. J'ai du mal à traiter cet afflux de données. Parce qu'ils suivent pas les followers, apparemment. Parfois des choses incompréhensibles. Je vais tâcher de m'améliorer. C'est bloqué de l'autre côté. Ce serait con que je me retrouve coincé ici. Ah. Il est difficile de déterminer si la surface est... Il n'y a pas le moindre bruit. Mais oui, c'est bien ce que je dis. Il y a clairement quelque chose qui va pas dans cet endroit. Hop. Génial. De l'eau sale, parce que c'est toujours très très bon l'eau sale, on est d'accord? Oui. Ah. Je crois que nous avons de la compagnie. Je crois que le mot est... Oura? Wow. Bien vu. Vous avez entendu quelque chose? Ce qui était perdu a été retrouvé. Il a plus de bras. T'as pas de bras. T'auras pas de chocolat. Alors, est-ce que tu marches toujours aussi bien sans ta tête? Quand faut-il que j'arrive à la viser, tu me diras. Existence. Salaud! Qu'est-ce que t'as fait à Curie? Cet endroit est d'une telle violence. Oh! D'après ce que j'ai lu, il faut remplir un rapport de police et mettre toutes les preuves dans de petits sacs en plastique. Pourquoi pas? Écoute, si tu... avec usage de la force létale. Il semblerait que ma cible ait disparu. Boum! Alors, au suivant. J'ai tellement de données sur le monde d'avant les bombes que je risque de devoir en supprimer pour enregistrer mes nouvelles observations. Mes capteurs détectent de présence. Je suis toujours intact. Servomoteur de bras endommagé. Oh, j'ai transformé un être mécanique en goût. C'est un affrontement. Apparemment, ce n'est rien. Mes capteurs ont peut-être besoin. Pousse-toi. Mais non, par contre, on a un... oui, on a un niveau à mettre. Alors. Alors, on va mettre un scientifique. Comme ça, je vais pouvoir améliorer mes armes laser. Parce que, apparemment, enfin, je dois avoir une bonne quantité de munitions d'armes laser. Et. Un ennemi semble employer des mains. Wow! Je vous préviens, je ne peux pas vous laisser poursuivre vos attaques. Dégage! J'analyserai ce rapport plus tard. Tu fais bien. D'accord, il avait un couteau, le beau machin. Oh, le pauvre homme. Décapité. Ils sont tous décapités, j'ai l'impression, en fait, les hommes. Enfin, les êtres humains. Ce qui n'est pas commun, même pour un... Lined, même pour un comment un synthétique.
Alors, Tyred, c'est pas ça non plus. Ok, ici on en a un, et c'est réinitialisé. Twist, c'est pas Twist du tout. Avec Tyred et Lionhead, j'en ai eu. Marrant ça. Oh la vache. C'est difficile. Hop. Hop. On va pas avoir de bol, je le sens. Hop. Alors, j'essaye Maze. C'était pas ça. Où êtes-vous ? Dans... ton... cul, Lulu. Likes. Quiet. Paper. Essayer réinitialiser. Donc maintenant, on va supprimer des mots. Ok, de 1 et de 2. Celui-là m'était complètement inutile par contre à supprimer, c'est dommage. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Et de 6. Donc normalement. Génial. Voilà. Commande de Protectron. Activer l'unité. Activation. Protectron au rapport. Tu vas me filer un coup de main, l'ami. Combat engagé. Élimination de toutes les... il y a quelqu'un non loin d'ici. Ses intentions sont peut-être amicales. Non, c'est un soldat. Hop. Bien, monsieur. Oui. Ça baigne. Protégé. Je pense avoir détecté un comportement anormal. Appelez, bonjour. Appelez. Dans le noir, littéralement. Bien que dangereux, le okay, combat est un excellent exercice physique. Étrange, mes capteurs doivent avoir un souci. Je détecte une présence à proximité. Identité inconnue. Je ne la vois pas. Des capacités furtives. Facile. Chef synthétique, on l'aura pas de là. Est-ce que je peux allumer la lumière avec ça ? Thermostat. Putain, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vous déconseille de continuer les hostilités. Protéger et servir. Il m'a fait extrêmement mal. Tiens, bouffe. Tiens, perds pas la main. Vos actions pourraient entraîner un décès. Ah, y a un mode pour faire pour transformer les comment les. Les synthétiques en Terminator. D'un point de vue de fan, j'adore. Pour le principe. Par contre, ils sont pas d'une beauté suprême, comme dirait l'autre. Il semblerait que ma cible ait disparu. Mais il y en a encore. Mais j'y étais à ce niveau-là pourtant la dernière fois. Ah. Je vais les voir un peu plus bas. Si l'ennemi revient, je serai prêt. Non, c'est un cadavre. Ok, un coffre. Ok, ça c'est fait. C'est bon. Buffot, cartouche, cartouche. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. T'as encore toute ta tête. C'est bizarre. Oh, un bouquin. Science Tesla. Oh ouais. Ouais, enfin bon, ça j'aime pas. Le principe des dégâts critiques, je trouve ça complètement naze.
ça n'a aucun impact sur le jeu en fait. Parce que les dégâts critiques, t'en fais une fois de temps en temps quand tu utilises tout le temps le SVAV, et je trouve que le SVAV, si tu le. Enfin, il devrait recharger d'une autre manière en fait. Dans un but scientifique, bien évidemment. Alors, j'aimerais avoir accès à cet endroit. Il y a quelqu'un. Ah, où ? Mouvement détecté. Curieux. Mais non, c'est de là que je viens. Ah, mais merde, qu'il est con. Je détecte une activité furtive. Aucun ennemi détecté. J'aimerais me rendre dans. Dans cet endroit-là. Aller chercher mon bonhomme. Mon cadavre là. Ah bah. Oh, c'est pas mal. Je l'ai tellement fait fondre en fait, le pauvre garçon, que. Bon, on va retourner voir. Ah mon pote. Protéger et servir. C'est bien. Je me demande ce qu'il s'est passé ailleurs. Est-ce la même situation que le Commonwealth? Est-ce meilleur ou pire? Oui d'accord, c'est de là que je viens. Je crois que j'avais pas je vu le cadavre au sol. Si les données que je rassemble serviront à ouais, jour pas quelque bon. Chose. Rappelle le truc, on y va. Fais pas écraser Marcus, ce serait con. Viens là. Je m'en occupe. Comment ça va, mon vieux? Tout de suite. Hop. Voilà, merci. Non, des tours aux chiens, non, ça va pas le faire. Alors. Oui. Ah putain. Mes capteurs. Ah bah vous voilà. De présence des membres de l'institut, je dois vous détruire. C'est vos moteurs de membres supérieurs endommagés. Je me fais attaquer. Boum. On va engager contre la forme de vie possible. Oh, ce qu'est ami. Comme quoi. Vous de me tendre une embuscade. Étrange. Mes capteurs doivent avoir un souci. C'est toi mon. Attention. Boum. Oh oh, le pauvre. Je dois avoir une grenade sympathique pour toi, mon pote. C'est pas celle-là. J'avais pas une. Ah, je croyais. Cocktail Molotov. Bah, écoutez, on en a fait quelques-uns. C'est pour les utiliser. Ça chauffe, Marcel. Oh, bien joué. J'engage le combat. Arrête. Votre coup et vos signes vitaux. Se situe toujours dans les normes acceptables. Bah écoute, ravi de l'apprendre. Oh. La technologie nécessaire pour faire ça est réellement incroyable. Je suis désolé, l'ami. Je peux pas te pacifier. Je préférerais qu'il y ait beaucoup moins de ça. Ça. Oui, je me doute. À vrai dire, moi aussi, pour ce spécimen ici, je préférerais ne pas avoir à le buter. Par contre, si ton pote, l'autre là-haut, là, il a une arme légendaire, ce serait cool. 44 pistolets. Dommage. J'aurais préféré une arme légendaire, comment, laser. Bon, on verra ça tout à l'heure quand on va rentrer. Bon, bah on a terminé l'endroit, je présume. Carte. Terminé, voilà. On y va. Oh, une seconde, attention, oui. Les synthétiques sont de vraies merveilles technologiques. Le moment est-il bien choisi pour vous parler? Oui, bien sûr, vas-y. On peut parler. J'ai du temps. Je me suis appliqué à récolter des informations pendant nos escapades. D'accord. Mes algorithmes d'autodiagnostic sont arrivés à une sinistre conclusion. Ce n'est pas le manque de données ou de collaboration qui freine mes recherches. Il faut accepter l'évidence. Il n'y a jamais eu de grands scientifiques robots. Oh, la pauvre. La pauvre. Oh, elle se rend compte de ses limites. Allons, tu dramatises. C'est gentil à vous de dire ça. Mais si je continue dans cette voie, je ne ferai que stagner.
il faut un changement fondamental. Ah oh non, elle va devenir une IA. Les grands esprits de notre temps, les Einstein et les Curie, à qui je dois mon nom, avaient plus que leur seule capacité à analyser des données brutes. Elle va devenir un supercalculateur. Ils avaient une étincelle de génie. Oh, voilà, je le sens mal. Cette source d'inspiration insaisissable. Une idée en tête ? Et comment tu vas faire ? Si je veux comprendre les secrets de la médecine mieux qu'aucun robot avant moi, je dois entreprendre une voilà. quête inédite. Je dois devenir humaine. What ? Ou ce qui s'en approche le plus. Elle veut devenir un synthétique ? Le moyen de charger ma conscience dans un cerveau humain. Oh ! Oh ! Offrir ton aide. Je veux t'aider, Curie. Une fois de plus, vous volez à mon secours. Ah bah, c'est un véritable plaisir. J'ai rencontré un chirurgien du cerveau, un programmeur d'intelligence. Moi qui cherche une synthétique depuis longtemps. Ou quelques experts des neurones, amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Elle est folle, excusez-moi, parce que je tousse, donc c'est chiant. What ? Ah, j'ai eu peur qu'elle devienne le robot, un peu comme le robot président, vous savez, une espèce d'IA dans un gros calculateur. Il y a quelqu'un ? Oula. Votre élimination est nécessaire. Alors, toi, tu me saoules. Je te le dis. Voilà. Toi, t'es pas mal non plus. Boum ! Évaluation des... Voilà. Pff, t'avais une armure en... Pourquoi faut-il que tout soit si dangereux ici ? Boum ! Je suis touché. Il est résistant le sac. Putain mais vise les bras Marcus. Sont quasi nuls. Cerveau moteur de bras endommagé. Vise les jambes. Combat engagé. Système désactivé. Et encore ? La vache, mais ils étaient pas là avant. C'est littéralement un piège en fait, son roi. Tiens, bouffe. T'as pas de tête. Oh, un vieux. Hop. Ok. Bon. Eh ben, je pense que oui, il a raison tout à l'heure quand il a proposé le docteur Amari dans le... Dans le choix de texte. Je pense qu'on va aller voir le docteur Amari, donc on y était dans le précédent épisode. Ah, Good Neighbor. Où est-ce que c'est déjà ? Là. Hop, allons-y. Le fusil de Gauss. Alors, j'aimerais bien l'avoir parce qu'il est stylé, hein, putain. Utilise l'induction électromagnétique pour propulser un projectile à une vitesse extraordinaire et dévastatrice. Il est possible de charger chaque tir pour infliger un maximum de dégâts, ce qui doit être complètement pété. Je vais en profiter pour aller la voir, elle. Je vous félicite pour ce que vous avez fait à la bibliothèque. Eh ben, complètement avec cette... Merci encore. Vous voulez voir la marchandise, sinon ? Oui, j'aimerais troquer. J'ai quelques minutes pour jeter un œil. N'oubliez pas, pas de retour, pas d'échange, pas de menace de mort. J'ai bien compris. Alors... J'aimerais te donner, je sais pas... ...500 balles. Voilà. Merci. Maintenant, j'aimerais récupérer... ...tes 10 Steam Packs. Et tes 8... ...trucs là. Et en 48 aussi, pareil. Étant donné, 468. Voilà. Voilà. Parfait, pour moi c'est parfait. Ok, je te remercie. Parce que je commençais à tomber à court de... Notez-moi un peu ça, une vraie boîte de conserve sur pâte. T'as dit quoi ? Ça roule ? T'as du bol. J'espère que tu parleras moins une fois humaine. En fait non, j'aurais peut-être préféré que tu deviennes une espèce d'IA dans, dans une machine que je n'entende plus. Regardez-vous un peu. On dirait un chevalier servant dans sa belle armure. Bah écoute. Merci. Ça, c'est un véritable compliment. Les systèmes ont hâte d'enregistrer de nouvelles données. Ce voyage est une expérience très enrichissante. Allez, du large. Circulez. Mais t'es con, toi. Ah,
J'ai essayé, hein. Je te promets que j'ai essayé de les... Vous lavez soigneusement les mains. Les cadavres sont porteurs de nombreuses bactéries. Oh, elle est gentille. Elle est vraiment gentille, hein. C'est assez agréable de ce côté-là. Comparé à comment Annick, c'est moi et oh tu fais que des conneries. C'est-à-dire qu'il parle pas quand tu fais des trucs bien, mais quand tu fais des trucs, enfin quand tu pirates un truc, il te parle pour dire oh c'est bien, t'as piraté le truc. Mais quand tu fais un truc bien, il t'en parle pas des masses. Alors que elle, dès que tu fais un truc mal, elle te dit oh lave-toi les mains, fais attention à toi. Bon, je me gare, hein, permettez. Hop, voilà. Hop, on saute. Hop, on entre. Bon. Hello there. J'ai une cliente. Vous avez subi des épreuves terribles. J'espère que vous connaîtrez la paix un jour. Oui, dans ma tombe, mais pas avant. Docteur, mon ami a besoin de votre aide. Donc pas avant une cinquantaine d'années. Je ne suis pas ingénieur, je ne vois pas en quoi je pourrais l'aider. Oh, ce docteur peut m'aider? Oui. Bonjour, docteur. Je souhaiterais transférer mes données et mon programme principal dans un cerveau humain. Tu veux faire quoi? Elle est sérieuse? On ne peut plus sérieuse. Pour la science. Aidez-nous. On a besoin de votre aide, docteur. C'est tout. Je m'attendais à une demande moins... exotique. J'ai besoin de savoir pourquoi. J'ai été programmée pour approfondir nos connaissances en matière de maladies, virus et autres agents pathogènes. Il m'est impossible d'accomplir cette tâche avec mes systèmes robotiques actuels. Si je devenais humaine... C'est l'homme bicentenaire. Bah, c'est la femme bicentenaire, en fait. ...stocké dans mes banques de données... me permettrait d'apporter une grande aide au Commonwealth. Un robot d'avant-guerre avec tes connaissances et tes compétences, couplé à des capacités cognitives humaines, oui, tu pourrais sauver de nombreuses vies. C'est un défi intéressant. Pour les banques mémorielles, ce serait facile. Nous maîtrisons parfaitement le transfert de souvenirs entre cerveau et ordinateur. Oui, ça je sais. C'est le principe des stations mémorielles. Mais sa personnalité... toutes ces routines logiques et ces programmes robotiques, un cerveau organique classique serait incapable de les gérer. Qu'est-ce que t'en sais ? Par contre, un cerveau synthétique, il se situe idéalement entre l'organique et le robotique. C'est donc possible. Alors c'est vraiment possible ? Oui, ça pourrait marcher. Il nous faut juste un synthétique. Et je peux vous aider à en trouver un. J'ai déjà travaillé sur des synthétiques. Je réinitialise leur mémoire pour qu'ils puissent vivre libres, débarrassés des souvenirs de l'Institut. Mais la procédure ne marche pas à tous les coups. Si quelque chose tourne mal, le sujet peut se retrouver dans un état végétatif irréversible. Vivant, mais sans activité cérébrale. Je connais quelqu'un qui a recueilli une synthétique atteinte de ce syndrome. Ah d'accord, on va récupérer un truc comme ça. Si cette personne est d'accord, on pourrait essayer de lui transférer la conscience de votre ami. Alors, personnellement, je sais pas quel genre de pervers peut avoir un synthétique qui ne redira jamais non. J'aimerais essayer. Il me faut absolument le consentement de la personne qui l'a recueilli. Donnez-moi une journée, le temps de la contacter. Elle est très méfiante, comme vous pouvez l'imaginer. Mais je pense qu'elle sera prête à m'écouter. Je vais rester avec le docteur. Si tout se passe bien, je vais être prête pour la procédure. Comme tu veux. Donc c'est quoi, attendre à Marie, c'est ça, non? T'as pas un lit que je puisse utiliser ou que je puisse me reposer? Ah oui. Oh, une banquette, merde. Nous devons trouver des hommes de science et des lieux d'éducation. Non, on va se reposer. Il est 5h du matin, donc on va dormir 5h. Enfin, une petite grasse mat. Hop. Et qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on rattend? Est-ce qu'on... On va patienter, après tout on est dans une salle d'attente, on va attendre 24 heures maintenant. Pom 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 pom. Alors. Hop là. En fait, je suis un synthétique, en fait, il n'y a que Kenigou qui va attendre. Moi je me mets en veille, et Kenigou il va chier partout devant le canapé. Partout! Devant, sur le canapé, derrière le canapé, sous le canapé. On saura pas comment il aura fait, mais il aura réussi à chier sous le canapé sur moi. Un bon coup de patte bien placé qui permettra d'envoyer la merde directement sous le canapé. Mais bon, regardez-le. Regardez comme il est beau. Regardez-moi ce Kenigou.
Il va pas avoir bougé d'un pouce, lui aussi il est en mode veille. Il aura chié des boulons. Wow! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? What? Mais t'es moche! Oh non! Ah, j'aurais vu une blonde, moi! Elle était blanche! Vous passez du bon temps à Good Neighbor? C'est pas une ville comme les autres, hein? What the fuck? Alors, c'est vous qui voulez mettre un cerveau de robot dans G519? C'est une synthétique, vous savez. On est censé les protéger. Glory, elle voulait de nouveaux souvenirs. Elle savait très bien que sa personnalité serait... C'est le réseau du rail! On parle simplement de souvenirs différents. Sûrement des souvenirs plus agréables, d'ailleurs. Je sais pas. Je devrais peut-être la laisser partir, après tout. Donner la vie. Son sacrifice permettra de donner la vie à quelqu'un d'autre. Je pense que cette idée lui plairait. D'accord. Elle est déjà derrière, mais c'est pas grave. Dépêchez-vous avant que je change d'avis. Curie, on peut commencer. Curie, interromps tous les processus non essentiels. Affirmatif. Bien. Connexion établie. J'ai les deux. G5 a déjà été préparé. Donc, ça ne devrait pas bon, être... Bon, ça ne fait aucun sens, c'est dommage. Oui. Voilà. Ma... Oh ma poitrine. Qu'est-ce qui m'arrive? Respire. Tu respires. C'est une fonction automatique. Laisse ton corps prendre les commandes. Je me sens si... étrange. Écoute-moi. Je suis vexé. Est-ce que tu m'entends? Comment t'appelles-tu? Je suis une chercheuse, virologue, robotisée, infirmière, experte. Ou Curie, si vous préférez. C'est vraiment Curie, ça? Ça ne lui ressemble pas. Mais si, c'est bien moi. Pardon, ces cordes vocales sont vraiment étranges. Bien. Très bien. Testons quelques fonctions cognitives de base. Combien font 1 plus 2 ? 3. Si je lance une balle de tennis en direction de ta tête, que fais-tu ? Je m'écarte, bien sûr. Faux ! Remémore-toi un souvenir fort. Le premier qui te vient à l'esprit. Je l'attrape avec mes mains. Et raconte-le-moi. Ah, le docteur Burrow était très vieux. Je pensais qu'elle allait parler C'était de moi. C'était le dernier scientifique en vie dans ma section de l'abri 81. Il était sur son lit, très faible. Et il m'a dit « Curie, tu dois... » Et il est mort avant de pouvoir achever sa phrase. Ah, oh, j'ai une sensation très étrange à l'intérieur. T'as l'air complètement drogué. Qu'est-ce que c'est? Tout a l'air ok, à ton manière. Peut-être de la tristesse. Peut-être de la tristesse. Un ami disparu. Cette unité n'a pas d'amis, mais ma poitrine se contracte quand je pense à ce pauvre docteur Burrow. On dirait que l'opération Surtout a ne pas avoir de sexe avec elle, par parce contre, que t'imagines quand elle va te faire le descriptif, le commentaire du sexe. C'est nouveau. Elle aura besoin de votre aide. Merci de m'avoir offert cette chance, docteur. Ah non, je garde Canigou, c'est juste que... Mon grand Canigou, tu restes avec moi. Allons-y. Bien, mon grand. Il est temps d'y aller. Ah, faut que je reparamétrise... Enfin, faut que je reparamètre Curie. Un instant. Voilà, chers amis, c'est bon. Ça se fait plus vite que prévu au final, hein. Elle a pratiquement pas bougé, vous avez vu. Ok, donc elle c'est bon, lui c'est bon, toi qu'est-ce que t'as à dire? Écoutez, j'ai 5-19 en a bavé, mais c'était une fille bien, une battante. J'espère qu'elle a gardé au moins une trace de ce qu'elle était. En tout cas, arrangez-vous pour que tout ça en vaille vraiment la peine. Sa science peut aider. Curie est une scientifique, elle est douée. Elle pourrait vraiment aider les gens. Ouais, on peut toujours espérer en tout cas. C'était un sacré coup dur de perdre G5. Mais je pense qu'elle aurait aimé que sa mort ait un sens. On se revoit au QG. Fais attention à toi, Glory, sur le retour. Curie, parlons. Hey. Il faut penser à respirer, surtout. Je me dis sans cesse que si jamais je viens à oublier, il n'y aura plus de Curie. Oh et putain, ce qu'a fait à la Bella dont on parlait. Cette effervescence, un nouvel élément fait son apparition. Et si je perds un bras, on ne pourra pas simplement le réparer maintenant. Je te protégerai. Ne vous en faites pas. Je veillerai sur elle. Ça me rassure. Je me sens mieux, plus calme. Tant mieux. Ça va aller. Je m'y habituerai. Rapidement, j'espère. Montrez juste un peu de patience avec moi. Je suis sûre que mes recherches vont s'épanouir grâce à ce merveilleux matériel tout neuf. Si tu le dis, écoute. Drogue ! Ça
Ça m'a l'air sans valeur. Voulez-vous vraiment emporter ça? Oui, oui, t'inquiète. Y'a rien dedans. Sinon, ça aurait viré depuis longtemps. Y'a des cartouches? Ah oui, dans le... Ok, putain, pauvre Curie. J'aurais aimé pouvoir t'emmener avec moi, tu sais. Te mettre dans un coin. Peut-être que je réussis. Si je peux réussir à te TP et à t'emmener à Sanctuary, je te mettrai dans Sanctuary. Encore une fois, jusque-là, tu as un nouveau corps. Bon. Par contre, ouais, il va falloir t'équiper maintenant. Oh merde. Qu'est-ce qui lui irait bien? Des armes laser déjà de base, ça lui irait pas. Ah bah c'est ça qu'on n'a pas fait. C'est ça qu'on va faire, chers amis, quand on va aller à Sanctuary. On va aller voir nos... Maintenant qu'on a le niveau 4 en scientifique, on peut améliorer nos armes laser complètement. Et ça lui irait tellement bien des armes laser. Ouais ouais ouais, ça serait cool. Ce serait carrément cool. Faut que je vois ce que j'ai en légendaire laser. Oh. Bonjour. Vous savez pas où dormir? Essayez l'hôtel Rexford. Comptez sur moi, mais pour l'instant, c'est moi qui rentre dedans. Non mais oh. Eh, vous croyez que je peux lui dire de rentrer dans l'armure? T'étais assez mécanique avant, tu l'es plus assez... T'étais trop mécanique avant, aujourd'hui tu l'es plus suffisamment. Du coup, rentre dans une armure. Voilà ce qu'on va aller faire, on va aller voir ce qu'on a comme armement à lui donner. Comme équipement à lui faire. Même si j'ai ma petite idée, soit je lui donne... la nanosuit. Soit je lui donne... le comment, le... La tenue de... Du chasseur. Hop, alors déjà ça je vais le ranger. À ta place. Crac. Puis maintenant elle pourra peut-être me suivre un peu mieux aussi, ça c'est cool. Oui. Voilà. Donc au niveau de l'armement. Non, c'est là-dedans, c'est dans la toolbox. Carbonisateur, non, ça ne m'intéresse pas, ça non plus. Âge de grenage, l'autorité des justes, c'est un... Ouais non, le pouvoir est pas terrible, je trouve. Plasma dans le sang, ça peut être sympa. Ça lui irait tellement bien, en plus, au niveau du... Bon, rien que pour le nom, je le prends. Clé, serre-tube, c'est mort. Épée d'officier chinois, non. Fusil de combat, non plus. Knuckles, queue de billard. Ah, déjà ça. Rouleau à pâtisserie, pourquoi pas. Fusil de chasse, non. Mitraillette, non plus. Matraque. Non. Qu'est-ce qu'a fait la matraque? Ouais, naze. Ah, j'ai pas tant d'armes laser que ça, hein, au niveau de... Bon. Alors. L'humanité a une telle volonté de vivre quoi qu'il arrive. Il est de notre devoir. Dégâts incendiaires plus importants, capacité de meilleure portée, dégâts améliorés. Vous savez quoi? Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Nous deux, à Sanctuary, parés pour l'avenir. Pourquoi il y a auto? Il y a toujours auto, regardez. Bon, c'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. Dégâts des tirs critiques et capacité en... Ah d'accord, c'est les tirs critiques. Incendiaire ou pas incendiaire? Pas incendiaire. J'ai l'air d'avoir envie de parler. Il y a toujours une chance de faire les choses canon bien automatique, ou mal. Canon automatique, ça, canon long. Beaucoup des deux. Canon long. Crosse complète, oui. Est-ce qu'on lui rajoute une lunette? Non. Le soleil se couche. Bouche. Veillez à bien rester au chaud. Ok, diviseur de rayon, concentrateur lentille quantique de gyrocompensation. On va mettre ça. Hop, et là on va mettre. Oui, c'est ça, on peut mettre. Curie. Fusil. L'humanité a une telle volonté de vivre quoi qu'il arrive. Énergie. Il est de notre devoir à tous d'œuvrer pour sa survie. J'espère que j'ai pas fait de faute à énergie, attendez. Non, 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 c'est bon. Fusil à énergie, voilà. Ça c'est bon, plasma dans le sang.
Alors déjà, je rajoute curry au début. Voilà. Ok, re, j'ai fait une connerie. Excusez-moi, je me suis planté de touche complètement. Hop, j'espère que ça a repris. Je vais aller faire un test. J'allais faire un test, je reviens. Re, bon, l'enregistrement avait bien repris, donc c'est bon. Plasma dans le sang. Malheureusement, je peux pas changer le nom, je crois, parce que je peux pas allonger, faire un espace entre plasma et le truc. J'ai tellement de données sur le monde d'avant les bombes que je risque de devoir en supprimer pour enregistrer mes nouvelles observations. Oh putain, elle a encore ces phrases d'avant. Curie, dose de plasma. Voilà. Condensateur standard, nanana, onde bêta, inflige dégâts incendiaires, portée améliorée. Dégâts améliorés, dégâts d'éco critiques, agitateur de photons. Canon de précision, canon lance-flamme. Conversion en lance-flamme. Oh, intéressant. Oh, mes systèmes ont hâte d'enregistrer de nouvelles données. Ce voyage est une expérience très enrichissante. Alors soit je mets un canon court et ça devient un pistolet. Ce qui fait un petit peu un pistolet à seringue d'ailleurs, donc on va mettre ça, hop, c'est parti. Poignée standard. Poignée confort. Cross. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir perdu quelqu'un, mais... Poignée confort. Il me manque tellement. Il est stylé comme ça. Lunettes courtes, viseur laser. Je me demande si les données que je rassemble serviront un jour à quelque chose. Hop. Ça par contre tu vires. Le lance-glaçon. Un canif? Non, ça vaut pas le coup. Une minigun, non plus. Ça par contre, je peux le virer. Hop. Ok. Qu'avez-vous fabriqué cette fois? Voilà ce que j'ai sur moi. Ah, t'as rien? T'as plus aucune arme? Ok, je croyais que t'en avais, excuse-moi. Curie, dose de plasma et fusée énergie. J'ai envie de te voir avec le dose de plasma. Il te va super bien. Ok. Tu me plais. Je sais plus, il me semblait l'avoir testé parce qu'il fallait que je teste l'armure nanosuit pour voir si le mode fonctionnait. Metal Box. Nanosuit et nanoglaves. Hop. La chasseur. Le chasseur. Je me rappelle plus du nom de l'armure de chasseur. Merde. Alors. Lieutenant, Long John, Lorenzo. Nanana. Silver Shroud Hat. Oh là là. Pour peu que je l'ai renommé en plus, ce serait con. Je l'ai pas sur moi. On est d'accord? Non. Ah si, il est là. Hop. Un instant, je teste ça et je vais l'équiper parce que ça va pas être intéressant pour vous sinon.
Hop, voilà, à tout de suite. Re, chers amis, alors voilà comment j'ai décidé de la mettre. Je voulais pas trop voir sa tronche parce qu'avec une... Enfin, je voulais qu'elle ait une capuche. Le problème, c'est que quand on met une capuche, on devient chauve dans le jeu. Du coup, je lui ai mis le masque à gaz en plus. Ça, comme ça, c'est fait. Je lui ai mis la nanosuite, donc on avait vu dans un des précédents épisodes. Bon, elle est jolie, hein. Imaginez ce que c'est. Je voulais qu'elle garde un petit côté humain, enfin, un petit côté plutôt, ouais, bah oui, humain et surtout féminin. Au niveau de l'armure. Pourquoi ? Bah parce que ça ne m'intéressait pas de voir une armure de chasseur complètement masculine et qui cache... non seulement pas qui cache tout, mais qui est extrêmement grosse en fait. Elle est extrêmement, Bah regardez, je vais vous montrer. Excusez-moi, je préférerais être seul pour le moment. Il me menace, hein. Le commerce, c'est voilà. Bien. Je vais reculer un petit peu ensuite. Voilà. Je la trouve que... Regardez, je trouve ça gros. Regardez l'avant. Je trouve ça gigantesque. Je trouve ça moche. Je veux dire, c'est pas fait pour être... En fait, elle est clairement pas faite pour être portée sur un humain... Enfin, sur une femme. Mince, je me trompe, je récupère au lieu d'équiper. Hop. Donc voilà, j'ai décidé de mettre ça. Il y avait une idée pour mettre ça, mais je trouve ça extrêmement moche, du coup. Hop, voilà, ceci. Du coup, je peux récupérer ça. Je peux récupérer les lunettes aussi. Et voilà. Et donc, je lui ai mis des bouts d'armure de combat en plus, hein. Marcy donc j'ai mis en noir, donc en ombragé, donc c'est-à-dire le rang 2 de... Enfin, en foncé en tout cas. C'est sa manière de gérer la mort de Kyle. Et donc voilà ce que ça donne. Je trouve pas ça trop moche personnellement. Hein. Après, bien sûr, on est encore qu'au tout début des mods, encore au tout début de CBBE. J'essaye de... Enfin, je veux pas faire des trucs qui sont que du cul, de toute façon ça m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresserait plutôt, c'est d'avoir des armures vraiment féminines. Alors attention, quand j'ai féminine, c'est des armures qui collent à un corps féminin, hein. En opposé par exemple à l'armure du coursier qu'on vient de voir juste avant dans les chasseurs, qui était complètement grosse en fait, grossière. Donc voilà. Et je trouve que cette armure est vraiment stylée parce qu'en plus on peut la repérer de loin, ce qui fait que quand elle va bugger, vous voyez, hop, elle fout limite les boules. Franchement, elle fout limite les boules. Et le mieux du mieux, chers amis, c'est que normalement je peux faire ça et lui dire d'aller nous deux, à son tuarie, dans l'armure. Paré pour l'avenir. Le problème c'est que je ne sais pas comment la faire sortir de l'armure ensuite. Regardez ça. Est-ce qu'elle y rentre ? Elle y rentre. Qu'est-ce que t'as fait à ton casque ? L'humanité a une telle volonté de vivre quoi qu'il arrive. Il est de notre devoir à tous d'œuvrer pour sa survie. Est-ce que je peux te demander par exemple de sortir ? J'attends ici. Vous avez besoin de moi, monsieur ? M'accompagner ? J'aimerais que tu m'accompagnes à nouveau. Dans ce cas ? Ah non, faut pas que ça renvoie Canigou. Ah, falloir que je la repare. Non, bah attendez. F10. Voilà. Donc là, elle avait plus l'armure. Qu'est-ce que... La pompe. Je vais lui redonner l'armure comme il faut. Enfin, je vais la rééquiper. Je prends ça. Ça. Et j'aimerais donc que tu portes la fameuse armure. Ah, elle est plus en... Ellipse. Voilà, donc je vais rajouter en plus des sacs. Vous savez quoi ? Ce qui la rend un peu plus balèze, je trouve. Je me sens pleine. Donc, nous deux, à son tuarie. Maintenant, tu peux te remettre à me suivre. Il est difficile de déterminer si la surface est plus ou moins sujette aux épidémies, mais il serait sage de se préparer à toute éventualité. T'es clairement stylé. Ok, je suis content. Parce qu'elle est pas hyper sexualisée. Bon, à part l'arrière, forcément. Hein. Pas vous le cacher, hein. Voilà. Et puis pour ceux qui veulent vraiment. Voilà. Permettez-moi mais, d'observer et d'analyser un maximum de. Sur le principe, je trouve qu'elle n'est pas hyper sexualisée et je trouve ça bien. Scientifique, bien évidemment. Ça correspond à exactement ce que je voulais vous expliquer donc dans le sujet des modes pas trop sexuels. Pas trop nude en fait, voilà. C'est exactement ça, vous voyez. C'est l'armure de base est sexualisée, mais il y a moyen d'arranger la chose. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Je pense que dans le prochain, on ira faire l'histoire principale. Maintenant qu'on a une synthétique avec nous, je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc écoutez, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner.
rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Pérou, donc votre lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode et dans la bannière, donc vers mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.